sont mal épongés sous tête prison civile cabale. Ministre et Emily Poufet, directeur cabinet pour le Mansville et DGLB, PMA de facto, moi-même en Rémi, moi lancé un message ensemble même. Ça fait nous, si nous ne prenons pas une décision pressée, risquer une gros catastrophe en dehors de prison parce qu'il y a attaqué prison, il y a tenté d'attaquer prison, il y a tenté d'écraser mieux, depuis qu'il y a écrasé mieux, pas l'entrée, pas les autres. Donc c'est reste nous qui retourne par l'évader quand il y a victime, mesdames. Qui ça motive les bandits à attaquer prison autant comme ça? Qui ça cause ça? Bon, aucune idée. Je ne sais pas qui motivation, qui ça qui pousse à attaquer prison comme ça. Mais une chose est certaine, la prison est située dans un milieu qui est dangereux. Si vous avez l'église qui est dans la prison en l'eau, pour être en sécurité, l'église est obligée de fermer, donc la prison n'a pas accès à l'eau potable pour y aller. Donc, encore plus de monde qui est dans la sécurité, encore plus de monde qui est dans l'allée, vous avez dit que la prison est livrée à lui-même. Donc, vous avez mesdames livrées à vous-même, manger pas qu'à faire, vous n'avez pas qu'à de qualité. Pour vous manger, il faut vous dire ton nom. Et, le monde qui est responsable, et prison par un cop DAP par le cop pour livrer prison et manger dans la prison. Donc c'est lui pour dire qu'on a marché épice blindé pour aller marcher à tout uniforme sous des bras acheter épice blindé pour porter dans la prison. Donc on est depuis ces mouns à manger en pile. Donc ça veut dire on petite quantité qu'on a acheté pour un jour, il doit finir. Donc pas impossible de manger. Et j'en ai un blindé qui a fait aller venir sur route nationalement continuer à supporter employé parce que si elle passe au cas mourir, donc nous-mêmes nous demandé pour accorder un char blindé à Épine. Épine, c'est monsieur qu'on avait escorté de New York. Parce que sans ça, Mounsa a condamné. D'ailleurs, pays était contre bon déjà. Pays était soi-disant bon. Il va pas juger. En cause de ça, il y a un canal en cours. Nous sommes condamnés net. Il va jamais juger. Donc nous-mêmes, nous avons bataille pour respect de l'homme, pour le droit d'accès à la justice, pour le droit de comparer avec le conseil naturel. Parce que fuck Mounsa a. Il faut parler devant le juge et il faut que l'État prenne toute responsabilité. Qui est-ce qui a passé pénitentiaire? Bon, et nous avons pénitentiaire. Permettez-moi de saluer tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs, capitaine de Mna. Donc, c'est un plaisir pour moi. Merci pour la question. C'est cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, dont je suis le coordinateur général. Donc, depuis plusieurs mois, alors ce n'est pas hier seulement, depuis plusieurs mois, il y a une alerte rouge sur la prison civile Cabaret. Et nous-mêmes qui informés de tout détail ça, événement qui a passé, nous avons pris le soin pour mettre l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale au courant de ce qui a passé au niveau Cabaret. Qui ça a dit? Alors, il faut dire que mesdames, au niveau cabaret, vivent une situation hyper difficile. Qui ça dit? Manger, boire, pas une possibilité parce que, à cause de l'insécurité, à cause de difficultés qu'il y a pour gagner accès à la prison, donc manger, pas qu'à vivre dans la prison. Donc, venez de mon côté, inspectrice, alors, autorité, pardon, qui en la prison, il y a une difficulté pour manger parce que DAP, par exemple, il y a une possibilité pour manger. Et nous-mêmes, au niveau cadeau, nous constatons que la situation a affecté la prison. Et la prison a trouvé une zone hyper sensible, côté que c'est plusieurs types de bandits, là, il y a plusieurs groupes gangs qui sont dans la zone de prison. Donc, c'est à maintes reprises, il y a attaqué la prison. Dernièrement, il y a un détenu, il dit que pendant le film de bain, il a tiré sur la prison, cartouche a pété, douche, tuyau qui a vidé de l'eau, côté de la bain de douche. Donc, conditions. Sanitaire ou pas bon, hygiénique ou pas bon, parce que mon yo de l'eau boire c'est lui bien, j'aime toujours dire. Donc, l'eau sa yo, yo ba yo infection, infection vaginale, tout type d'infection qui ka permettre que vous causez la mort ou même. Donc, normalement, ce qui a passé la première là, c'est que il est vraiment important pour nous comprendre que la population a souffri, la population, moun qui n'a pris en souffri, moun qui pas jugé, alors il y a des difficultés pour nous pas juger parce que. Je dis, personne ne va pas prendre un chemin de prison. Parce qu'à cause de l'insécurité, bandits canards, ils ne sont pas passer pour aller dans le niveau de prison civile cabaret. Donc il fut un temps, manger était contre 30 minutes pour aller dans la prison civile cabaret. 30 minutes.
Mais à cause de l'insécurité à général, à cause de gang qui envahissent là, donc toute machine est obligée de faire le tour, donc manger pour 8 heures de temps avant d'arriver dans la prison si vous travaillez. Mais ce qui est important, nous-mêmes, nous toujours fait tweet. Nous toujours appelons ces informations, lanceurs d'alerte pour nous dire autorité, pour nous dire ministre de justice, pour nous dire PMD factoire en rue. Écoutez, il y a péril dans la demeure, il y a nécessité d'une urgence, donc nous sommes obligés d'agir, nous sommes obligés de sécuriser la prison civile femme, la prison civile cabaret. C'est meilleur prison gain pour ces prisons standard. Mais par rapport à Goma les pointiers qui sous tête prison cabaret, donc ça mettait la vie, mesdames, en danger. À n'importe moment, on va attaquer la prison. Depuis attaquer la prison, il y a une évasion. Depuis attaquer la prison, depuis attaquer la prison, on est victime. Depuis attaquer la prison, on a des viols. Donc, je dis à nous-mêmes, nous disons qu'il est important pour que l'autorité policière, à savoir DGLB, pour les mettre en blindé 24 sur 24 devant prison civile cabaret. Bon, backup qu'on a fait surveillance devant prison, hein? Depuis le fond, le backup là, donc prison livrée à lui-même. À n'importe quel moment, bandit qui a attaqué prison civile cabaret. S'il a attaqué la crasé, depuis le crasé, 86 moun ki rete ou ka sauvé. Et il faut dire qu'avant hier, les bandits ont laissé écraser une clôture prison. Et il y a deux ou trois photos de ma porte qui sont faites. Donc, il a écrasé la masse avec bas pour l'odeur pour essayer de mettre des murs en tête. Donc, à comprendre, si mes clôtures sont à terre, si mes clôtures écrasées, notre prison est ouverte, accès à la prison ouverte. Donc, c'est l'évasion totale, c'est le désordre, c'est la catastrophe totale. En plus, mon cas mourir, y compris personnel, y compris policier, y compris l'autre si ménager, ménager qui a travaillé dans la prison. Nous-mêmes, comme avocat, mon capitaine de la Cap-Gardin, mon qui concerné, mon qui impliqué directement DAP dans la question de prison civile cabaret, donc il faut que nous agissions pressé, pressé, parce que si nous pas agissons, nous ne pouvons pas garantir que son catastrophe humanitaire, son danger, son problème, c'est la vie, mesdames, qui va en danger. Non seulement il n'y a pas qu'à manger à l'eau, mais la vie est en danger tout. Oui, bien sûr, la vie est en danger parce que la prison est située dans le milieu criminogène. Dernièrement là, ils font attaque pour une deuxième attaque, parce que les grands attaques ont été faites 11 mars. Deuxième attaque là, on ne peut pas rappeler date là. Mais il faut dire que les policiers en dedans ont repoussé l'attaque ça. Mais les policiers qui ont pris une balle, ils n'ont pas de cas à l'hôpital à la velle, parce que les bandits ont bloqué ni en haut ni en bas. Ils ont bloqué sous route qui va vers Port-au-Prince et ils ont bloqué sous route qui va vers Gonaïve. Donc, elle dit prison, ils entrent dans le premier manteau, prison, non piégé. Donc, je dis là, son mal est pendu. Tenez bien, oui, les gens qui mourent, deux prisonniers. Et ça, tout c'est gang. Nous avons un pénitentiaire, dispensé pénitentiaire par un courant. Au sein de nous, dispensé pénitentiaire par un courant, nous félicitons docteur Oudus, qui a fait un travail extraordinaire dans. Prison, par le docteur prison. Mais la travail dans des conditions hyper difficiles. Et pas oublier que, bon, émeute qui manquait fait de l'animal parce que monsieur fermé en dedans depuis plus de 8 jours, il n'y a pas de chambre à sortir. Et au cas comprendre, on a 8 jours dans l'espace, il n'y a pas de chambre à sortir, il n'y a pas de chambre à sortir. Elle dit, bon, frustration pour une levée, il a pété cadenas dernièrement. Elle dit, prisonnier, il prend la course et il n'y a pas de nouvelle route. Donc, tu risques de émeute jusqu'à ce que. Autorité pénitentiaire ou fait ça pour faire. Donc, moi, toujours dis ça, condition pénitentiaire pas bon et condition à compirer parce que on grève qui va jamais élever. Et moi, toujours dis, monsieur, dame, les protagonistes, les personnes qui sont concernées par cette grève, monsieur, faites le nécessaire, c'est urgent. Il y a un pile de monde qui mourent dans la prison, il y a un pile de monde qui mourent qui va déclarer. Dans pile monde qui mourit pas mal chiffre. Et ceci, c'est par rapport à persistance et grève ça. Moi-même pense que si nous sommes un pays à vrai, si nous venons à Haïti, faites un département de soi. Si nous venons un pays à vrai, si nous disons nous voulons investir, si nous disons nous voulons que petit monde école là, faites un département de soi parce que le monde qui n'est pas capable, le monde qui est plus faible, le monde qui est en prison, le monde qui sent défenseur. Nous qui parlons, nous qui parlons pour nous, nous rien de plus de ce moi-même, ça fait mal. Si nous sommes comme, si nous sommes comme, nous avons poté manger. Mais comme nous avons un bon samaritain qui dit que c'est non,
Donc, nous même dans niveau cadeau, nous avons préparé nous là pour nous prendre une ordre d'autorisation pour nous aller manger et nous voulons porter jusqu'à près de 300 à 500 plats dans le pays international. Nous avons des cabarets, oui, mais bon, à cause de l'insécurité, il y a des difficultés pour nous aller cabarets. Mais actuellement, nous avons préparé plus de 300 à 500 plats pour nous aller porter dans le niveau pays international parce qu'il faut que nous manger. Et c'est seul ça nous a fait en attendant que le tribunal fonctionne correctement. Mais pour l'instant, la situation est difficile parce que le taux de mortalité a augmenté par rapport à la persistance de grève ça, qui il y a plus que 3 mois. Donc, nous croyons plus que 3 mois. Donc, bah, la déranger, bah, la bah, problème, avocat pas qu'à travailler. Du tout. Donc, nous obligés de tirer la sonnette d'alarme parce que faut qu'on soit jugé et décision supposée passer par autorité politique. Autorité politique, nous entendez, à savoir les Ariel Henry, les amis prophètes, faites le nécessaire, levez grève là, parce que nous avons absolu trop, nous mourons, nous avons des problèmes de santé, des problèmes d'infection, nous avons mouru dans le pénitencier. Donc toutes décisions sont des décisions politiques pour permettre que juste ça fonctionne et nous juger à juger correctement. Voilà. Merci.